Certains disent que les jeunes vont par exemple au cinéma surtout pour faire du necking. Est-ce que vous croyez que c'est exact? Non, pas tellement, non. Je ne croirais pas non, que ce serait là le cas. Ben, je l'amène au cinéma. Pourquoi? Pour faire du necking ou bien pour voir le film? Non, pour voir le film, puis pour connaître la fille comme il faut, puis connaître son caractère. Le cinéma, c'est un endroit pour voir un film. Est-ce que souvent, quand les jeunes vont au cinéma par couple, est-ce que ça ne devient pas tout simplement une partie de necking? Bien, je dirais pas que c'est la majorité. Il y en a quelques-uns, sûrement, mais je trouve que le cinéma n'a pas tellement de bonne place pour faire du necking. Il y a assez de surveillance encore. Bien, on va surtout au théâtre, parce que c'est le meilleur endroit. Mais non, il n'y a pas grand endroit d'autre pour faire l'amour, réellement. Pour les sorties sérieuses, je ne conseillerais pas aux jeunes d'aller au théâtre. Quand vous alliez au cinéma avant d'être marié, pourquoi est-ce que vous y alliez, au fond? Moi, c'était pour voir le film. Oh oui, c'est vrai. Et vous, monsieur? Bien, lorsque j'allais avec mon épouse, qui était en ce temps-là ma fiancée et mon amie, c'était pour voir le film. Mais lorsque j'ai commencé à aller au cinéma à l'âge de 16 ans, c'était plutôt... c'est d'avoir un flirt, s'asseoir. On cherchait les endroits qui avaient des jeunes filles de... pas trop vieille pour pouvoir s'asseoir à côté des autres et puis essayer de les coller. Puis si, on va leur prendre la main, mais on avait réussi quelque chose. Où est-ce que vous leur conseilleriez d'aller? Pour Nicky ou pour une sortie sérieuse? Pour les deux. Pour les deux. Mais pour Nicky, évidemment, il s'agirait d'aller au théâtre. C'est le meilleur endroit. Parce que c'est pas tous les jeunes qui peuvent se payer une automobile. Et puis pour les sorties sérieuses, il y a beaucoup d'occasions. Je suivrai le temps, je serai moderne, quoi. Je les empêcherai pas d'aller au cinéma ou sortir avec des garçons si j'avais une fille. Puis s'il irait au cinéma, puis je saurais qu'il aurait fait un petit peu de necking, je ne condamnerais pas pour ça. Hein? Ça. C'est quand même assez normal. Il faudrait pas être trop rigide là-dessus. Je dis que c'est pas bon, mais seulement c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher. C'est plutôt enfantin que de choisir un cinéma pour se laisser aller, quoi. En fait, on va là pour un film, pas pour autre chose. Pour ma part, quand je vais au cinéma, je vais pour voir un film. Mm-hmm. C'est correct, je vais emmener une fille, je vais lui demander de venir au cinéma, mais après, on peut discuter, on peut toujours se connaître. Après, je crois, la meilleure façon, on peut voir un film ensemble, très bien, mais quand on est au cinéma, c'est pour voir le film.